Ça va être nickel, notre partie, hein. Ouais, en plus on a de la chance qu'il va pas pleuvoir. Ouais, t'as raison. Bon, allez, pas de ça. Bon, allez, à cheval. Ouais. Hopé. Oh, y a quelqu'un? Oh, pff. Oh! Oh! Oh, tu m'as eu! Vas-y. Surtout, l'airsoft est une activité sportive qui nécessite de la stratégie. Du coup, je vais vous parler des équipements obligatoires pour jouer à l'airsoft. Alors, 1. Il vous faut des lunettes balistiques qui résistent à certains chocs, un gilet pare-balles, et aussi en même temps les coquilles pour se protéger, vous savez quoi, hein? Un masque grillagé pour se protéger les dents. Et puis aussi en même temps, quand on se prend une bille, on est obligé de se déclarer out. Enfin, c'est-à-dire en gros, se déclarer mort, direct. Et aussi, l'airsoft est dit aussi des petits pistolets et s'appelle aussi les GBB. Et en fin de partie, il faut se serrer la main et être fair-play. Attention, ne faites pas comme mon collègue fait, on ne pointe pas une arme, une réplique plutôt, sur quelqu'un. Pour conclure, l'airsoft c'est pas comme le paintball, les billes sont beaucoup moins grosses. Bientôt, c'était à l'aise pour GR.